prends pas cet air surpris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Les Mongols avaient les mêmes armes à Komoda. Continuer. Je n'ai pas le choix. Repars. Toute seule ? Garde la voie libre. Nous devrons fuir quand j'aurai trouvé le seigneur Shimura. Je peux trouver des chevaux. Très bien. Si je tarde à revenir, réfugie-toi dans la forêt. Hiç bas! Aşağı! Dur lan!
Je suis Jin Sakai, le neveu du seigneur Shimura. Je suis venu pour venger son honneur. Jin, ton oncle m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet, Jin Sakai. Je vais lui montrer son neveu, brisé et humilié, implorant de rejoindre mon empire. Jin, non ! Ton heure est venue, Seigneur Sakai. Approche, petit enfant. Que nous observe. Soumets-toi, Seigneur Sakai. Vous trancherez la gorge. Seigneur Sakai.
Jeune maître, allons-y. J'arrive, Yuriko. L'île tout entière est venue pleurer votre père. Est-ce que l'on peut les renvoyer ? Vous devez faire face, Jin. Vous êtes maintenant le chef du clan Sakai. Oui. Vous n'êtes pas seul, Jin. Votre père est le vent qui vous porte. Et votre mère, l'oiseau sur la branche. Et mon oncle ? Il vous le dira. Au bûcher de votre père. Merci, Yuriko. Si tu as besoin de conseils, le clan Adachi pourra t'aider. Mon père faisait passer le peuple avant toute chose. Un vrai samouraï. Je n'ai pu le sauver. J'ai été lâche. Jin, tu es un samouraï. Il est mort. À cause de moi. Ton père est tombé au combat pour sauver son fils unique. C'était une mort digne d'un guerrier. Désormais, tu dois reprendre le flambeau. L'esprit de ton père se trouve dans son sabre. Il ne t'abandonnera jamais. Et demain, je t'accueillerai dans ma forteresse, mon cher neveu. Aujourd'hui, fais tes adieux à ton père. Puis-je sauver ?